Mesdemoiselles, messieurs, j'ai comme invité spécial cet après-midi Monsieur Sylvain Laforêt. Alors Sylvain Laforêt, Monsieur Positif, est-ce que les Républicains vont l'emporter au midterm au début novembre? Oui! Les démocrates sont dans le trouble, les libéraux sont dans le trouble, ils sont tous dans le trouble ce monde-là en ce moment. Est-ce que Poutine, c'est un bon gars? Poutine est un bon gars! Oui! Poutine est celui qui travaille le plus pour nous autres en ce moment. Oui! Sa planète. Il y en a un autre qui travaille pour nous autres, Sylvain Laforêt. Ouais. Il travaille fort sur un documentaire le scandale des CHSLD, peux-tu nous en parler un peu, mon ami? On m'a approché, une belle petite gang m'a approché pour faire un documentaire parce que c'est ça que je faisais dans mon autre vie. Je l'ai fait pour à peu près tout le monde. Puis, dans le fond, ils voulaient qu'on fasse une promo pour les macarons de la dignité. Puis j'ai dit, tant qu'à faire des entrevues avec le monde, ben on va faire des longues entrevues, parce qu'il y a bien du monde qui ont des affaires à raconter. C'est qu'on a récolté des témoignages, on a fait des entrevues avec des spécialistes, et je suis en train de monter un documentaire avec ça. Et c'est choquant, mais c'est très touchant aussi en même temps. Puis on a eu vraiment des bons intervenants, des gens que vous connaissez aussi. Lucie Mandeville, qui a parlé tantôt, est là-dedans. Dr. Robert Béliveau. Et là-dedans aussi, l'avocat Claude Lafrenière et Alain Roy, sociologue aussi. Donc, on a vraiment du bon monde, mais il y a des infirmiers qui ont parlé de ça. Ça fait que c'est du gros travail, c'est pour ça que j'ai absolument rien préparé aujourd'hui. Parce que je me sens de même comme le matin avec Dan. Tu vas prendre du service bientôt, là. Hey, ouais. Mais, je te laisserai pas avant de savoir tes prédictions pour le 3 octobre. Sérieux, là. Avec des machines Dominion ou pas de machines Dominion? Le vrai vote réel, tu penses, s'il n'y a pas de machine Dominion? Je vais raconter une petite histoire. Ma blonde s'est faite beaucoup obstiner où elle travaillait parce que elle ne voulait pas se faire vacciner. Puis il y en a plusieurs qui l'ont vraiment chicanée à cause de ça. Et il y a quelques jours, il y a une des personnes qui était le plus vocale là-dedans, justement, qui a posté sur Facebook, qui a écrit « 3 fois vacciné, ça fait 3 fois que je tombe malade, j'en ai par-dessus la tête. » Et elle a eu un paquet de likes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui croyaient encore les François Legault de ce monde, mais on va parler des 3 autres partis qui ne servent à absolument rien. Ces gens-là, ils savent en ce moment là, que ça va pas bien. Puis la population a commencé à comprendre, mais non seulement ça, la population commence à le dire en plus. Ça veut dire que les élections, il ne faut pas voir les sondages légers, qui ne fait pas, qui fait même pas ces sondages. OK, la réalité, c'est probablement du M est en avant sur à peu près tout le monde. Est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la solution, mais on ne perd rien à l'essayer parce que c'est le seul qui n'a pas joué à la pandémie. 100% d'accord, mon chum. Alors, je t'aime bien, Sylvain, mais je brûle d'envie de présenter notre prochaine invitée. As-tu quelque chose à rajouter, Stéphane? Cherchez les Radio-Canada, les TVA. Il y a plein de monde ici, ils ne sont pas là, bien sûr. Ils étaient là tantôt. Oui, ils étaient là. Ils m'ont interviewé. Ah oui, bon, mais parfait. Mais ils ne sont pas ici. Alors, je tiens quand même à saluer André Pitt et Lux Media qui, eux, sont là, derrière. Okay? Yeah. Merci, André. Tu es là depuis le tout début. C'est juste un plaisir. Chapeau à Lux Media, un pionnier dans le journalisme indépendant.